Azincore la sede Mega Markle. Tante Mieux. Voici une nouvelle information que devrait vous réjouir si vous êtes fan de la nouvelle duchesse de Sussex et que vous êtes également une beauty addict. Après avoir eu le nom de son fond de teinte preférée, après avoir découvert la liste des produits utilisés pour la mise en beauté de son mariage, nous découvrons aujourd'hui qu'une de ses máscaras preférées est disponible ao supermarché. Encore une fois, c'est style de sellers, une ancienne maquilleuse professionnelle qui a eu la chance de chercher sur la femme du prince Harry qui vient de dévoiler cette information croustillante. En réalité, c'est Meghan qui m'a-t-elle utilisation de ses mascara vendu en supermarché, US, ajout de la sensational luxueuse mascara de elle insigne Maybelline. J. Engard désormais toujours em estoque dans mes affaires grâce a ele. Se mascara ai de vraiment amplifier le volume de seus. E o este parfait pour le gros volume mais aussi pour la longueur, et la formule este super hidratante. J. Adore le fait que la qualité soit au top et que le prix soit super abordable. Se mascara lavable a uniformule enriche em huile de rose, huile de safran et huile d'argan pour aider à garder les seus doux et soyeux. Les huiles donnent également aux seus o aspect plus doux et plus dense tout en réduisant la fragilité, brilhant et sale pour mademoiselle publique. Azincore la sede Meghan Markle. Tante Mieux. Voici une nouvelle information que devrait vous réjouir si vous êtes fan de la nouvelle duchesse de Sussex et que vous êtes également une beauty addict. Après avoir eu le nom de son fond de teinte preférée, après avoir découvert la liste des produits utilisés pour la mise en beauté de son mariage, nous découvrons aujourd'hui qu'une de ses máscaras preférées est disponible ao supermarché. Encore une fois, c'est style de sellers, une ancienne maquilleuse professionnelle qui a eu la chance de chercher sur la femme du prince Harry qui vient de dévoiler cette information croustillante. En réalité, c'est Meghan qui m'a-t-elle utilisation de ses mascara vendu en supermarché, US, ajout de la sensational luxueuse mascara de elle insigne Maybelline. J. Engard désormais toujours em estoque dans mes affaires grâce a ele. Se mascara ai de vraiment amplifier le volume de seus. E o este parfait pour le gros volume mais aussi pour la longueur, et la formule este super hidratante. J. Adore le fait que la qualité soit au top et que le prix soit super abordable. Se mascara lavable a uniformule enriche em huile de rose, huile de safran et huile d'argan pour aider à garder les seus doux et soyeux. Les huiles donnent également aux seus o aspect plus doux et plus dense tout en réduisant la fragilité, brilhant et sale pour mademoiselle publique. O mundo conhece-a, agora, como a duquesa de Sussex. Porém, o passado de Meghan tem vários momentos marcantes. Casou com o príncipe Harry no dia 19 de maio e tornou-se a duquesa de Sussex. Porém, o passado de Meghan Markle está marcado por vários momentos importantes. Um deles pode ser visto neste vídeo, revelado há poucos dias, que está a encantar a internet. Defensora dos direitos das mulheres, Meghan tem esta missão desde muito nova. Aos 12 anos viu um anúncio de televisão que atribuía a tarefa de lavar a louça apenas ao público feminino e decidiu mostrar o seu descontentamento. No vídeo partilhado pelo canal norte-americano Nickelodeon, Meghan Markle aparece em criança, como entrevistada do programa Nick News, a contar como escreveu a carta ao diretor da empresa que criou o anúncio. Num texto direto, a noiva real mostrou o descontentamento e acabou por ver a chamada de atenção a ter efeito. Leia também, Meghan Markle grávida. Imprensa internacional diz que sim. Carta, a pequena Meghan explicava que é necessário existir igualdade de gênero, para que as crianças não cresçam com a ideia de que a mulher é inferior ao homem. Três meses depois, obteve resposta e o anúncio foi alterado.
Em vez de referir, abre aspas, todas as, MULHERES, fecha aspas, passou a referir, abre aspas, todas as, PESSOAS, fecha aspas.